il bâtit l'auteur à un bel auteur. Ou de la belle roche. Mais pas de la roche au milieu, là. Non, de la belle pierre gueule, comme il y a par ce bail. Ça, c'est une carrière de pierre gueule. Une belle maison dans le fond de la carrière. Ou une grande phalase qui monte de même. Et sous l'œil qui passe derrière. Alors déjà, il n'y avait pas de genre de terre, mais alors la lisette, l'Elisette, la pourrée, tout ça, ça ne pousse pas de genre. Ne compte point sur les tomates. De toute manière, il y avait de gars qui chaillaient. Il y avait le milieu tous les ans, les tomates. Ça ne fait pas peine. Allez, mes bains, son bonhomme. Mais tous les ans, il y avait le... Ah, non, de dit. J'en pas encore tomates à Nessie. Si seulement on avait une belle maison comme une salle dans le mi-temps du bout. Oh, ma verre, mais au tout cas mieux un petit nid ou qu'on ait bain tous deux. Et puis là, loup deux œufs, loup coupe Dieu. On a deux, finalement. Non, faut pas que je sorte de... Sinon, je vous avais parlé de... Non, faut pas que je sorte de... Non. Ils s'en sont coincés leur gare et puis ça te repartit. Black, un jour, il t'a arouché. Au vague, il essayait de se sur sa table, il a su le bout, ou la l'os dans la main. Oh, la pinche, il faut prendre une losserie de soupe. Oh, elle s'apprête, elle t'a pas encore rendu dans l'assiette que. Une roche qui chute à haut. Elle a peur du jeu. La tuiture, peur du jeu. Le garnier, là, la chaille sur la table, l'assiette, pilée. La losserie qui chute dessus. Et là, les vieux naïfs, ils avancent fort. Nom de Dieu, partout dans la ville. Il est parti seul dans le. Bon, ce qui est sûr de rejouer, c'est qu'il est parti seul naleux. Ben, je parle de naleux, je vous raconterai la fin de la veuve. Bah oui. Bah oui, puis ça se pose des semaines. Bon, vous en rapprochez. Comme ce que tu fais comme jour. Oui, ça te rock'n'roll là. Ah oui. C'était ça, le début de l'histoire. Ça te rock'n'roll. Voilà. Bon, et là, du coup, il y a des histoires de roches qui chaillent. Voilà. Et le plat. Et qui roulent. Et qui roulent. Et donc le plat, ben, met à la porte de Céline. Qui qu'on fait quand on ne s'attend pas, nous les bonhommes. Moi, j'ai maman. Ouais, non. On va au bourg d'abord, tout court. Quand même. Ben, il s'en fait au bourg. Et à aller au bourg, il passe devant. Non, c'est avant d'aller au bistrot. Juste avant le bistrot. Parce qu'il avait ses amis. Il avait la moue d'aller au bistrot, pas lui. Parce qu'en fait, il avait d'abord. Mais je me perds. Pourquoi je me perds? Ils me font perdre. Donc, quand on a, comme on arrive dans le bourg, bon, il y en a un qui est là, il a le poids là. Je veux pas raconter, j'avance. Et hop, il allait à l'arbre qui est dans le mi-temps du bourg, côté dièse. Sauf qu'avant que de passer par le bourg, il fallait passer par la venelle du bourg. Et quand il passe par la venelle du bourg, qui tournait un petit sugar ou même, il passe devant ses parents. Marie. Marie Turpin, vous l'avez. Pour qui je ne sais pas. Marie Turpin, ce qui est sûr, c'est qu'en te tenant derrière la cuisée. Et même si elle ne te pas derrière la cuisée, on savait qu'elle pour se sentir derrière la cuisée. Parce qu'elle avait des rigueurs. Des caraux. Et vous savez pas, il y a un coteux qui est tenant plus liant que l'autre. Et tenant plus crassou et tout. Je sais qui passe là-dedans. Et ben de là, il passe devant. Tu sais qui passe. Ben c'est mon Jean, tu dis là-dedans. Alors ben je suis la contruelle.
Oh, Jean! Hop, hop! Viens donc. Pas rien qu'à feu. Viens, pas rien qu'à feu. Ça commence de mai. La grecque, qui est tenant à Rosineux, sur le côté du fourneau. Tenant. Elle attrape la grecque, verse le café. Mais vous savez bien que, comme la grecque reste tenant à la chaleur, à Rosineux toute la journée, il est ben trop chaud le café. Mon Jean prend sa volée de café, mais ça te les verre en. Du dessus. Oh! Il est chaud ton café! Oh! Il est chaud ton café! C'est génial! Et là, serre le vœu et t'as écrit la gousse! Ah, on va tout comprendre, on peut le monde comme ça à la mi-temps du poids! Faut bien être discret un petit peu! Et bah, il y a café! Mais c'est après. Forcément, quand on baille du café, ça fait comme eux. Ils ont tout raconté. Oh, t'as dit, je se bain mal. Si tu te dors tourne de cette taille, vous voyez la grée. Et dans le haut du bourg, il y a le rusé qui passe, et là, il y a le pont. Pour ce pont, il y a la grée. Sur le haut de la grée, il y a on appellerait ça une ermite. Une ermite. Son nom de famille, ça te discale. Va donc l'ermite discale. L'église va te dire qu'il faut faire. Il a pensé le pont, monte la grée, il t'a levé l'ermite. Là, l'ermite dit, bah, demain je ne peux pas recueillir pour taille. Par contre, si tu vas de l'autre côté de la côte, il avait bien vu. Alors là, on pense au bourg. Le problème, c'est que tu pourras repasser par la venelle du bourg. Il a préféré prendre la rue de la Vétigo qui passe devant le bistrot où il va la jouer, mais là, il est pressé. Parce que l'ermite lui a dit va-t'en dans les tuyaux, dans le devant du bourg, et là, tu verras, il y a une roche chômée. Un chômeur. Une roche pitié. Un monolithe. Là-dessous, tu verras, il y a un chien qui reste là. Un choril, on appelle ça, par ces mots. Poule pitié, tout ce que tu lui as bien. Là, ça te fait un choril. Une espèce à part. Il a dit, c'est pas simple. Tu fais tout et fin du tour dans un sens. Et tu vas vaille, qui va venir. Ben, il remercie l'ermite et il s'enfuit. Il arrive dans le prêtre. Attends, bon. Il s'enfuit au pied du chambre. Il a fait tout et fin du tour. Et là, Dion. Ça, c'est le vœu. Il y avait comme des escaliers qui descendaient, et il y avait un petit chien qui montait. Alors il les a demandé, mais tu que vous voulez. Il les a raconté son histoire. Vous demandez cette histoire, c'est vrai? Non, il y a autre ville. Elle n'invente, il y a tout. Bon. Et le chien lui dit, ah ben c'est bien ici, ben je fais, mais tout travail mérite salaire. C'est ça les jetins, mes œufs. Alors il fallait les emmener tout ce qu'il y a votre pont dans le pays. Ben, une grande paniérée. Une manière de manchien pour serrer les patages, parce que les jetins c'est petit, mais ça bouge dur. Alors, ça tient mieux à table qu'à cheval. Ouais. Un manchien, mais gros de même. Et
Et en dedans, tout ce que fallait, tout ce qu'il y avait de bon, on le paye. La penette. Ben, je voyais bien que la penette, c'est pas connu ici. Alors que, si vous venez c'est mal, quand vous vivez la route qui sort du bourg, de qui il sort du cimetière, elle est dans le bourg, au racoin, où la grande, justement, qui a la venelle du bourg, et au racoin, là, il y a une boucherie d'Ostra, les Naïres. D'Apenette, oh là là, petit Jésus en tuyau de velours. C'est de la ça aussi, ça c'est bon. Non mais ça c'est bon. D'Apenette, petit gros rouge ou d'Apenette. Les choux. Les ch'tins n'importe sur les choux. La galette, de l'andouille, du cidre, de la goutte, un filet garni. Et le voilà reparti au somme. Sa main chinée, hop, au pied. Et là, contre le chien, il dit c'est pas eux, je la solution pour ta vie. Tu vas t'en retourner de cette. Quand tu auras expliqué à ta bonne femme comment faut faire pour s'en sortir de la cordure, parce que je veille bien que ta bonne femme, elle n'a classe d'être dans la maison au fond de la cordure. Hein? Ça fait des électrochocs, je vais. Quand que tu lui as expliqué ça, eh bien vous allez faire une danse. Vous allez prendre une roche, vous allez frommer les œufs, vous ferez 10 pas par derrière, vous poserez la roche. Et vous allez faire ça, dit qu'à la maison, dit qu'à Cloteux, ne sera plus dans la carrière. Oh, ouais, tu peux dire. Il a couru ben vite. Ça te du temps que ça te poque en limite dans les bouts. Il est allé dire qu'à Célie, vous rappelez notre village, les veaux moraient dans la corrière qu'il avait hérité de son tonton, Léon. Hein, voyez, on a fait le tour. Il est allé toquer à la porte de Célie. Il a expliqué ça à sa bonne femme, elle était bonne, heureuse comme un co. Dors. Ils s'en sont mis tous deux côte à côte devant l'auteur. Ils l'ont frommé les œufs, ils l'ont pris des roches. Ils l'ont fait une dizaine de pas par terre, ils l'ont posé, ils l'ont ravancé, ils l'ont pris une roche. Et hop, au bout d'un temps, disons, ils ont rouvert les œufs. Oh. Le soleil rayeux sous l'auteur. La corrière te l'aille. Et disons, la terre te belle, les fures poussent. Ils s'en sont regardés. Et est un corps amoureux comme au premier jour. Vous savez que le jour-là, ils ont inventé une danse. Le rock'n'roll.